pas l'adversité, la mondanité. J'ai crié, où est alors ce Dieu d'Élie? Ce Dieu d'Élie qui me fera sentir l'eau même du rocher. Ce Dieu d'Élie qui me fera manger la manne cachée. Dieu d'Élie, tu n'as jamais échoué. Oh Dieu d'Élie, tu es le centre de ma vie. De Sarepta, tu m'as prouvé que tu es le Dieu des délaissés. Seigneur, ma vie avec toi, je veux recommencer. J'ai vraiment honte d'entendre parler de mon passé. Je veux que mon homme intérieur soit transformé. Sois renouvelé. Il y a une chose après laquelle je soupire. Je soupire après le miel sur le rocher. La manne cachée, c'est ce qu'il me faut pour que je sois en santé. C'est ce qu'il me faut pour que je sois en paix. C'est ce qu'il me faut pour que je puisse réussir dans ma foi chrétienne. Seigneur, je veux du miel sur le rocher. Seigneur, je veux du miel sur le rocher. Cette manne cachée, la parole parlée. Cette parole qui ressuscite même les morts. La manne cachée, c'est le repas des prédestinés. Miel sur le rocher, la manne cachée, c'est le repas des gens de l'éternité. Miel sur le rocher, la manne cachée. C'est ce qu'il me faut pour ma croissance spirituelle. Je veux du miel sur le rocher, Seigneur. Pour ma santé, pour ma paix, Jésus. Donne-moi du miel sur le rocher. C'est ce qu'il me faut pour que je sois fortifié. Le miel sur le rocher. Je veux du miel, Jésus. Le miel sur le rocher. Donne-moi du miel. Le miel sur le rocher.